Et je parlais à un frère tout à l'heure, mais socialement, qu'est-ce que je crois? Je lui dis, William Branham dit, mais ce sera toujours bien quand il source. Parmi les caractéristiques, donc les choses qui identifient ou qui fait connaître qui est la Vierge folle, cette personne est long à comprendre. Monsieur, c'est parmi les caractéristiques d'une vierge folle. Et la vierge folle va passer par la grande tribulation. Mais l'épouse ne passera pas par la grande tribulation. La lenteur pour les choses de Dieu. La négligence de lire la Bible. Qui va la lire à votre place? La négligence de lire vos livres de notes, vos cahiers de notes. Vous écrivez donc pourquoi? Pourquoi priez-vous les notes? Si c'est fait pour garder. Et William Branham ajoute, nous vivons le temps de la plus grande séduction qui puisse exister. Je vous ai dit la dernière fois, Frère Branham a parlé du plus grand mensonge. Il y a le mensonge, et il y a le plus gros des mensonges. Quand on a dit le plus gros de mensonge, c'est là où il y a plus de vérité et un peu de mensonge. Le fait qu'il y a trop de vérité, il n'y a qu'un peu de mensonge. Automatiquement, il devient le plus grand de mensonge parce qu'il est difficile de repérer ce mensonge. Parce qu'il y a trop de vérité. Et c'est difficile de repérer le mensonge. Et le monde est ce qu'il est aujourd'hui à cause du mensonge. Amen. Et c'était un grand mensonge parce que Lucifer a répété à Ève pratiquement toute la vérité que Dieu avait dite par Adam. Et à la fin de lui répéter tout ce que Dieu avait dit, il n'a jamais été pas. Donc il lui répète d'abord toute la vérité. Et à la fin il dit pas. Là où tu avais dit, vous allez mourir. C'est quand ça vous mourrez. Alors vous voyez que c'est difficile à Ève. Mais il n'y a pas que s'il y avait un ensemble. Parce qu'il y avait trop de vérité. Amen. Amen. Et nous sommes dans cet âge. Et où William Branham a prêché les soins du temps de la femme. Ils seront loin du vrai esprit de Dieu. Ils seront faux dans leurs enseignements. Ils seront des véritables visions. Lorsque le temps était arrivé d'accomplir les Écritures, la prophétie que Dieu avait dit à son serviteur Élie, que Akab devait mourir et Jézabel devait être mangé par les chiens. Quand le temps arrive et une réunion est convoquée au ciel, Dieu va donc siéger avec les anges, cherchant comment accomplir cette Écriture. Alors pendant qu'ils étaient là, un démon rentre dans la conférence et vient se présenter. Il dit ce que vous êtes en train de chercher à faire. Qui va l'accomplir? Un démon dit je suis capable de le faire. Et le Seigneur se dit mais comment tu vas faire? Le démon répond. Il dit je vais rentrer dans la bouche des faux prophètes. Ils vont commencer à prophétiser le mensonge sans se rendre compte. Mais c'est sans des prophètes. C'est à quel taux, Amigoul? Amen. Hein? Amen. C'est sans qui? Amen. Des prophètes. Et Dieu a trouvé que la solution était bonne parce que lui, il n'y est que la vérité. Les anges qui sont restés avec lui ne disent que la vérité. Et le démon, le père du mensonge, c'est qui? Le diable. Dans votre maison, l'esprit de mensonge va rester. Et la table de l'offre, ils ont le père va vous le dédicat.
Une histoire que j'ai écoutée, mais c'est terrible. Et il lui parle, il donne le témoignage. Il y a été le témoignage de ça qui parle. Il lui parle, dit un jour, il lui parle, maison il y avait des frères qui croyaient que William Branham était Dieu. Il y a un marquage, ça que William Branham était ça. Et ses frères qui croyaient ça, et la casse, ça se retrouvent dans un restaurant. Et pendant qu'ils étaient dans le restaurant en train de manger, la terre, maman, ils ont fini de manger, ils sont partis. Et après, c'est d'autres frères qui viennent. Et les mamani, maman, casse, et les frères entrent dans le même restaurant. La terre va nous dire la sauce. Ils écoutaient des voix. Les frères commençaient à écouter comme une voix. Voyez, quand Dieu parle, c'est comme une voix. Et la terre ils ont entendu un esprit en train de dire William Branham est Dieu. William Branham est Jésus. William Branham est Jésus-Christ. Dans le restaurant. La quête est restaurant. Ce qu'ils ont fait, bien, il a mis ça la porte. Il fallait qu'ils aillent voir William Branham. Ah, quand ils sont allés voir Branham, ils sont rentrés dans tel restaurant. Mais pendant la quête, que toi tu es Jésus-Christ, toi tu es Dieu. Il a dit Jésus-Christ. Va voir la Bible parce que vous avez fait bien de venir. Car c'est ma maison, mais ça n'importe quoi qu'on puisse. Amen. C'était les esprits qui avaient au moins les gens qui étaient restés dans ce restaurant. Il y en a plein de gens qui ont battu dans la cage à l'histoire. Amen. Et quand c'est resté, si vous n'étiez pas venu, vous allez prendre la même route une fois qu'il te parle. Mais je dirais même que c'est l'ange. Il est sûr d'attaquer le passe. C'est pourquoi peu importe les voix qui parlent, ramener ça à l'écriture. Il y a vraiment qui nous dit les autres, même plus dans la solitude. Amen. Mais qui va connaître l'écriture? Celui qui lit. C'est celui qui lit. Amen. C'est celui qui lit les brochures qui écoute les bandes. Celui qui écoute ce qu'on prêche. 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 Mais pas ceux qui laissent à la maison, ils lisent pas. Parce qu'on a une église. Ils attendent seulement qu'on prêche à l'église. Mais la sélection, c'est avec les amis même en route. Et pour le et si tu enseignais, tu auras la victoire. N'oubliez pas ce que je faisais lui ici dans la délivrance totale. Quand Frère Branham avait dit un mensonge lorsqu'on mettait la pression sur lui, à cause et comment est-ce qu'on appelle ça? Des impôts. Et ça, dans les impôts. Il va demander donc à sa femme. Je ne sais pas, inspecteur ou qui? La maison à qui tu as joué la routine de Guinée? L'avocat. L'avocat. Donc, à l'avocat? Il a besoin d'avocat. Il dit que je ne suis pas là, je sors. William Branham va mentir sous pression. William Branham, vous n'avez pas de pression. Mais remarquez une chose qui est terrible. C'est qu'un jour, je ne sais pas si c'était le même jour. Lorsqu'on appelle encore à la maison, Joseph, donc le fils de William Branham, va prendre le téléphone. Il bat le téléphone. Et répond. Il dit, vous cherchez papa. La soeur et papa. Frère Branham dit, Joseph a dit, il a demandé, je ne sais pas s'il y a papa ou maman. Que je dise que papa n'est pas là. Nous autres, on dit, papa, quel est le quoi, quoi? Frère Branham dit, vous voyez quel type de maison que je ne vais pas voir. C'est venu là. Papa sous pression, non. Ça reste à la maison. Et dans vos maisons, vous prenez le temps de mentir les gens. Vos maisons deviennent des réunions de parler mal des gens. Plus loger les démons. Amen. J'ai pas entendu un amen. Les maisons deviennent des lieux de réunions démoniaques. Et ils ont commencé à vous n'en pétez. Le monde est ce qu'il est, c'est à cause du mensonge. Madame dit la vérité, vous pouvez répéter ça mille fois si c'est vrai. Et vous mais vous ne pouvez pas répéter le mensonge mille fois. Mais vous avez, vous c'est pourquoi, même quand tu écoutes une information, avant d'aller dire, il faut que tu répètes ça telle que tu as entendu, n'ajoute pas, sinon ça sera le mensonge. Mensonge. Et même avant d'aller parler, prends le temps de savoir que si on découvre que c'est moi qui ai dit, que je répète sa tête que j'ai écoutée. Et là, on a besoin de nous autres, nous autres, nous autres, nous autres. Dès que tu fais glisser le mal, la table peut être libre. Mensonge. Je vous. Et quand vous lisez dans le livre Apocalypse, chapitre 21, la table, Dieu mettra les monteurs dehors. Ça veut dire que vous n'avez pas. C'est un démon.
mensonge. Ils ont démangé ça. Avec tout la guerre. Et quand tu dis la vérité, le corps réagit autrement. Et quand tu montres, le corps aussi réagit autrement. Et mais comment, et comment il y a des menteurs, des menteuses qui véhiculent les informations qui ne sont pas vraies. Il y a un Branham avec un seul mensonge. Dieu l'a traité d'hypocrite. Et toi, tu as combien de mensonges sont réparés? Même quand tu entends une fille de Dieu, il faut qu'il répète que ça a été dit. Non, j'avais appris. Et faire circuler ça dans tous les frères, toutes les sœurs. Une chose qui n'a ni tête ni queue. Et le démon de mensonge rentre dans l'église. Le faire sortir là devient comme ça. Ça ne pas passe. Et souvent quand c'est comme ça, je suis obligé de venir à la chair quand j'apprends une mauvaise chose. Je cogne et tue. L'esprit la fout. C'est bon, c'est pas mal. Amen. Donc quand il s'installe là, c'est vraiment un ami. Il y a une télépagne. Tu te rends pas compte. Tu peux gaspiller toute ta vie. C'est là où je condamne les gens qui parlent beaucoup. Il y a la camisa à vous qui sont ça. Jésus est la vérité. Toute sa vie a été dit là. Et tout ça, j'ai dit qu'à le Simon et Dieu, ça me sauve. Et quel époux, quel épouse. Et le tien, il est pas là. Donc, dans la nation, avec les frères dans le travail, sa vérité doit occuper la première place. D'ailleurs, l'heure est venue où chacun doit montrer sa vraie couleur. Aujourd'hui, tu refuses de vivre la parole. Et même le diable te fera vivre le mensonge. Parce que la pression vient. Lui, il va t'obliger d'être homosexuel. Amen. Il va t'obliger de faire le mal. Tu vivras le mal par ton père. Refuse de vivre le bien aujourd'hui. Madame dit, un ange est un messager. Et l'ange Gabriel est le type de William Branham qui vient à Marie. Et Marie est le type de l'épouse. Et Marie a une quand Gabriel parle, quand William Branham parle, que dit Marie, qu'il ne soit fait selon ta parole. Et sera motivé, voilà ceux qui seront enlevés. Et que ce que Branham a dit soit fait dans ma vie. Il n'a pas besoin de ça dans le zing. Qu'il me soit que je sois ça. Et vous voyez la motivé là. Tu as besoin des luttes aujourd'hui. Et les amis, ça, tu vas lutter pour bien. C'est le temps. On part, va laisser. Mais quand le temps arrive, elle a envie de repartir chez elle. Et là où vous dites qu'elle est. Opa n'a pas tenu. Opa, mais elle est en vie. Mais lui t'a dit. Parce que nous sommes. Moi je vais partir. Pour nous de quoi. Certainement, Naomi a dit à lui, chez nous là-bas, c'est la loi. Mais la bête de la gamme ici. Je vous ici, vous vivez mal. La bête comme la zine a dit. C'est les Moabites. Avec les Moabites. Ils sacrifient les enfants. Mais chez nous là-bas, c'est dit comme on est. La bête de la gamme ici. On a toutes les lois. Pour la gamme c'est aussi. Lui te dit, moi. Je vais aller dans l'église là où il y a la loi. Là où on va bien me parler la vérité. Là où quand je vis mal, même quand j'ai l'argent, on me parle ça. Je dis, non, je veux partir. Et ton Dieu sera mon Dieu. Et là où tu mourras, moi aussi je vais mourir. Et à cause de ce sacrifice-là, de la lignée de Ruth est sortie le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il y a. Une femme qui s'est tenue sur la parole. Et les femmes de la Odyssée, ou les femmes du feu divin d'Arabie, ne rendent pas les hommes devant cette femme rica. Elle n'avait pas le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Et toi, tu dis avoir le Saint-Esprit. Et lui, tu t'estimes mieux que toi. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton expérience. Amen. Tu ne peux pas supporter qu'on parle mal de toi à cause de message. Tu te fâches. Tu ne peux pas supporter.
Amen. Où les disciples pouvaient être contents qu'on les tue pour le Seigneur. Il y a maintenant quand le temps est arrivé de tuer Pierre, Pierre a dit non. La dame on allait le prendre comme le Seigneur, madame. Pierre a dit non. Peut-être si le Seigneur était crucifié, la tête en haut, les pieds en bas, et moi mettez-moi les pieds en bas. Mettez-moi la tête en bas, les pieds en haut. Je ne peux pas quand même mourir comme le Seigneur. La femme continue, fous ma mort. Il se tord. Elle est paix sans sou. Et tient avec les grosses pieds. Et tient dans ma tête. Il faut nier ce que tu crois. Avant qu'elle m'aille, il y a un but. Tu as blasphémé. Viens de s'en foutre là. La pierre tape là. Il t'a le boule à moi. S'en coule. Mais il n'a même pas. Regarde en haut. Et tient en dessous. Père, pardonne-le. Le tient dans les pieds. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mes amis, William Branham a dit. Pendant mon William Branham a dit. La parole de Dieu ruisselle de sang. Et vous ne pouvez pas vivre toute la parole sans être combattu. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Le message ruisselle de sang. Il y a un sacrifice. Il y a des moqueries qui accompagnent ceux qui croient le Messie. Les gens parleront mal de vous. Ils vont vous traiter de tout. Suis-moi le bois vert. On m'a traité de cette manière. Qu'en est-il de vous, le bois sec? Si j'en traitais le maître de cette manière, pensez-vous de me traiter comment? Il n'avait pas le monde et le monde et les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. Oui, Jésus a dit, si le monde ne m'a pas connu, il ne va pas vous connaître. Si le monde ne va pas aimer la parole, il ne va pas vous aimer. Et pourquoi le monde est peine? Pourquoi tu as des amis païens? Pourquoi tu vas mettre avec des païens? Tu entends le monde avec toi. Le monde n'aimera pas quelqu'un qui fuit la parole. Et lorsque vous êtes sincères, vous saurez que les amis sincères, les hypocrites ne vont pas vous supporter. Parce que toi, tu n'aimes pas contourner, tu dis la chose en face. Ils ne vous supporteront pas. Le mensonge est rentré dans les vies des gens. Et les gens sont devenus le mensonge de fait. Ils cherchent sans se rendre compte. Ceux qui ont mis ça sous les aisselles partent dans l'église. Et là, ils sont capables de modifier une information même mille fois. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. Ils ne doutent de rien. La manière dont ils respirent, c'est la même manière qu'ils mentent. Et le routine, il y a un peu de la route. Je vous dis, le monde est séduit à cause du mensonge. Où est-ce que toi tu vas te retrouver? Voici, allez au commerce. Et dans ta maison, les démons de mensonge sont là. À cause de tout le mensonge que tu as fait dans ta maison, les démons là sont là. Du moins que tu ailles les faire sortir. Du moins que tu mets ta genou, les pieds, les genoux par terre. Et si tu l'avais fait avec ta femme, les enfants, il faut se retrouver. Conférence. Cette maison n'appartient pas au mensonge. Père, il y a eu des mensonges que je me souviens. Et il y a eu des mensonges que j'ai oubliés. J'ai pris conscience que cette maison était consacrée à toi. Je ne connais pas là où le démon du mensonge se cache, mais je sais qu'il est ici. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si je prie. Amen. Sinon. Ghana. Comment Joseph va dire à frère madame dans sa main? Papa, que je dise que tu n'es pas là. Et quand on sort d'un autre mensonge là, quoi, papa avait menti, moi, et après demain, c'est votre fille qui est ne vous dit plus la vérité. Et il m'a dit, après demain, c'est maman elle-même. Il m'a dit, maman, elle m'a dit, oh, mon équipe, ok, un diamant. Nous voulons que